Bonjour Nathan, bonjour, bonjour cher Camerounais, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Éléonore. Bonjour à toi. Bonjour. Bon réveil à tout le monde. Moïse, bon réveil à vous. Éléonore, Nathan, bon réveil. Bon début de matinée. Et la matinée commence avec moi. Je suis très content. Bonjour, bonjour. S'il te plaît, tout le listing des bugs, tout le listing, s'il te plaît. Des bugs fixes. Oh, ok, bon, je vais vous envoyer la page un instant. Restez connectés. Ngueme Piak Raoul, sur l'image que j'ai postée, au-dessus, vous avez le lien. Parce que je l'ai fait de shooting de mon écran. Donc, j'ai shooté mon écran. Regardez le lien, tapez le même lien qui est là, vous allez tomber sur le listing. Et peut-être vous verrez beaucoup d'autres choses, quoi. Ça va sûrement vous intéresser. Voilà. Ça va vous intéresser sûrement. Bonjour, 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 chers Camerounais. Partagez, invitez les amis. Partagez, partagez, partagez.
Bonjour Polizingasse, bonjour. Bonjour Henri Sompfa. France Champagne, bonjour. Racine, bonjour man, bonjour, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour Alter, bonjour, bonjour. Coucou, Jeannette Couture, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Excusez-moi, je suis en train de me faire une tasse de café. OK. Pendant ce temps, partagez, invitez les amis. Laissez peut-être des questions, échangez entre vous. Ça va peut-être prendre 5 minutes. Et puis nous allons commencer. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques poèmes, ils ne sont pas longs, de cet ouvrage du président élu Maurice Kamto, Sous la cendre, les étoiles, un livre d'une profondeur inestimable. Et dans mes nuits noires, j'ai vu dans les profondeurs des nuits, dans le silence, je lis poème par poème, phrase par phrase, j'essaie de plonger à l'intérieur. Et il y a des poèmes qui me parlent plus ou qui disent des choses qui, je pense, peuvent être, qui peuvent aussi vous parler avec et que j'aimerais partager avec vous. Peut-être tous les dimanches, je ferai comme ça, chaque poème. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de s'offrir le livre. Alexandre de Tasse, ok. C'est pour ceux qui n'ont pas l'occasion de s'offrir de livres pour le moment. Je pourrais partager avec vous des poèmes d'une beauté incroyable. Certes, le niveau de langue, les expressions utilisées, les mots, le vocabulaire n'est pas à la portée de tout le monde. Je pense même que pour beaucoup d'entre nous. Et il vous faudra peut-être un dictionnaire à côté chaque fois pour pouvoir lire. De toute façon, vous avez vos smartphones. Et vos smartphones, vous pouvez, si un mot vous dépasse la compréhension, si un mot est nouveau, vous pouvez chercher directement dans Google la signification. C'est comme ça que je fais moi-même. Parce que je ne sais pas tout. Mais ça n'empêche que le contexte ou bien la profondeur soit appréciée à sa juste valeur. Donc, donnez-moi une minute encore pendant ce temps partagé et nous allons commencer. OK? Merci.
Ok. Donc, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, bonjour. J'aimerais partager avec vous un poème dont le titre c'est Blessure. La page 43 du livre c'est Blessure. Dont nous allons lire. Il n'est pas long. La majeure partie des poèmes, vraiment, c'est pas long. Donc, c'est digesté, vous pouvez déguster, ça veut dire prendre du temps, aller lire, mais c'est vraiment formidable. La qualité de la couverture est magnifique, très belle à toucher. Je veux dire que le choix de la structure de la couverture, elle est très belle. Et les feuilles sont les feuilles, parce qu'il y a des livres dont les feuilles blessent, vous savez, dont les feuilles sont très tranchantes et elles sont dures, elles sont toutes blanches et elles blessent quoi. Ici, on sait, il y a une certaine douceur, une tendresse, quelque chose de sensible sur la couverture. C'est formidable. Blessure. Sur le quai des regrets, tu avalais une larme. Ton esprit butinant les souvenirs et les éclats de la douleur. Et tu revoyais en leur sein les yeux de ton bien-aimé. À la première tempête, il déserta la barque. Et monté par les sirènes des embruns. L'océan disperse les mirages et s'achève l'enchantement de la nuit. Lorsqu'il s'efforce de ranimer la flamme, ta tristesse n'en a cure qui glisse de l'azur vers les plages vierges des îles. Blessure. Sur le quai des regrets, tu avalais une larme. Ton esprit butinant les souvenirs et les éclats de la douleur, et tu revoyais en leur sein les yeux de ton bien-aimé. Bonjour à tous. À la première tempête, il déserta la barque, aimanté par les sirènes des embruns. L'océan disperse les mirages et s'achève l'enchantement de la nuit. Lorsqu'il s'efforce de ranimer la flamme, ta tristesse n'en a cure qui glisse de l'azur vers les plages vierges des îles. Très profond, magnifique, magnifique. Deuxième poème, c'est Visage de la lutte. Visage de la lutte. La page 40. Un poème intéressant. Je ne sais pas, je ne sais quand tu t'es mêlé à la foule, abandonnant ton étal de tomates rouges. Ton verbe en cataracte fustige le cynisme. Réveille les âmes transies, appelle à l'émeute. Je ne sais qui t'arrache au silence, l'enfant brûlant de fièvre ou les chaudes paroles des camarades. Tes mains ivres de colère agrippent l'étendard et d'un pas décidé tu avances vers les lieux de la dignité. Ton visage rayonnait au feu de la lutte et séduisait le trépas sur de leur déroute. Viens que je baise ses pieds,
lacéré par la marche. Un profond respect à tous les combattants. Un hommage à tous les combattants de la liberté. Maurice Kamto s'adresse à tous les combattants de la liberté. Venez qu'il baise vos pieds, lacérés par la marche. Il ne sait pas ce qui vous a mené, mêlé à la foule. Vous avez abandonné vos tomates, vos étals de tomates rouges. Vous avez peut-être abandonné vos projets, vos familles, tout. Vous avez tout jeté. Votre verbe en cataracte fustige le cynisme. Vous parlez, vous êtes contre. Contre le mal. Contre ce qui n'est pas bien. Vous êtes pour la justice. Pour le respect des droits de l'homme. Pour une réelle démocratie. Ton verbe en cataracte fustige le cynisme. Réveille les âmes transies. Appelle à l'émeute. Tu parles. Tu fustiges le cynisme. Et en parlant, tu réveilles les âmes transies. Les âmes transies. Qui errent. Qui ne savent pas où être. Quoi faire. Quelle la direction prendre. Et tu appelles à l'émeute. Je ne sais qui t'arrache au silence. L'enfant brûlant de fièvre ou les chaudes paroles des camarades. Tes mains ivres de colère agrippent l'étendard et d'un pas décidé, tu avances vers les lieux de la dignité. Ton visage rayonnait au feu de la lutte et séduisait le trépas sûr de leur déroute. Viens que je baise ses pieds lacérés par la marche. Un profond respect que le président élu Maurice Kamto a pour tous les combattants, tous les Camerounais, quels qu'en soient les bords, quelles qu'en soient les tendances. Un profond respect que le président élu Maurice Kamto a pour tous ceux qui ont à cœur la dignité humaine. Merci d'avoir lu ces deux petits poèmes avec moi. Il y en a plusieurs. Je vous conseille de vous offrir le livre. C'est Sous la cendre des étoiles du président élu Maurice Kamto. Aujourd'hui, chers Camerounais, je ne vais pas être long comme d'habitude. Et je le dis tout le temps et puis je suis long. Mais aujourd'hui, je ne serai pas long. Je voudrais parler d'un bouc émissaire. Et la tactique que le régime Biya a toujours utilisée pour conserver le pouvoir. Vous allez sûrement vous dire, mais oui, salut Jean-Marie Wako, salut tout le monde, salut à tout le monde. Vous allez sûrement vous dire, mais oui, on connaît ça, le tribalisme, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, ça vous le savez déjà, c'est ce que vous allez me dire. Et qu'il a toujours utilisé ça. Moi, je vais l'approcher autrement. Je vais approcher le tribalisme comme étant un bouc émissaire. Le tribalisme est devenu la raison pourquoi on fait mal. Lorsque au Cameroun, on veut faire mal, on accuse le tribalisme.
Lorsque quelqu'un veut mal faire quelque chose, ou quelqu'un a, une personne n'a pas les compétences adéquates pour faire les choses, ou est incapable de faire quelque chose, l'une des accusations, c'est un bouc. On cherche le bouc. C'est facile d'accuser, de pointer du doigt. C'est très difficile de se regarder soi-même. On a tellement parlé du tribalisme que le tribalisme est devenu quelque chose de... est devenu, en fait, un agneau sacrificiel. On a tellement parlé du tribalisme que le tribalisme est devenu... on a personnifié le tribalisme. Lorsqu'on ne veut pas te parler à toi, parce qu'on n'a pas courageux, parce qu'on n'a pas le courage, on te parle du tribalisme. On parle au tribalisme. On ne parle pas à toi, on parle au tribalisme. Pour te parler à toi, Camerounais, le Camerounais parle au tribalisme. Je vous avais dit qu'il va arriver un temps, si nous continuons comme ça, à fuir la vérité, nos enfants vont parler avec les animaux. Parce qu'ils ne trouveront plus quelqu'un avec qui parler. Nous avons fini par personnifier le tribalisme. Maintenant, nous l'avons choisi comme agneau sacrificiel. Le tribalisme devient celui qu'on accroche à la croix lorsqu'on est incapable de tout. L'une des tactiques du régime, c'est de débarrasser tout autour de Maurice Kamto qui n'est pas de la région du Maurice Kamto. L'une des tactiques actuelles, donc la dernière phase, c'est de débarrasser autour de Maurice Kamto tout ce qui n'est pas de la région de Maurice Kamto. Parce que le président élu, les Camerounais avec lui, qui sont engagés pour la lutte nationale, pour la libération du Cameroun, œuvrent tous les jours à ce que tout le monde soit inclus. À ce que toutes les parties du Cameroun soient représentées dans cette lutte. Mais le régime se bat tous les jours à ce que tout ce qui est de Maurice, tout ce qui est autour de lui, reste les gens de sa région. Et il y a deux façons de le faire. Il y a deux façons de le faire. Il y a la première qui est de dire ou qui est de d'infiltrer ou bien de convaincre ceux qui ne sont pas des régions internes de ne pas adhérer. Il y a une autre façon, c'est de vanter ceux qui sont des régions autres que les siennes. Bon, la première façon, je reprends, c'est celle de décourager ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas encore adhéré à l'idée du changement et au mouvement de la Renaissance, de ne pas s'approcher, car c'est une affaire des gens d'une région. Maintenant, ceux qui se sont approchés au départ et qui sont entrés dans la lutte, eux, ils sont appelés à supporter dans le mouvement, les gens qui ne sont pas de la région. De telle sorte que si on constate après, il n'y a pas, ils sortiront et disent, je suis sorti parce que je n'ai pas eu le support qu'on dit qu'il y a là-bas. J'étais pourtant d'une autre région.
J'ai accepté pourtant la chose au départ. Mais aujourd'hui, j'ai vu la vérité. C'est vraiment un parti, un mouvement isolé d'un coin du pays. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de national. Voilà les deux stratégies de tribalisme, de bouc émissaire. Le régime étant incapable, le régime Biya étant incapable, totalement incapable de gérer le Cameroun. Le régime Biya étant totalement incapable de gérer le Cameroun, de mener le Cameroun à quelque chose de beau, s'est retrouvé obligé de trouver un bouc émissaire. Le tribalisme. La pression que le peuple camerounais, qui est mobilisé autour du président élu Maurice Kamto, parce que le peuple camerounais voit la vision de Maurice Kamto et a la même vision que lui. La vision est tellement inclusive. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. La vision est tellement inclusive et c'est très dangereux. Lorsque les gens sont, un peuple est uni, lorsqu'une population, un pays, les habitants d'une nation ont un seul regard, une seule vision vers un objectif précis, il est très, très difficile qu'ils ne réussissent pas. Alors, le bouc émissaire, et c'est un bouc dodu, le plus gros des boucs, le tribalisme. Lorsqu'on est incapable de comprendre, d'accepter autrui, de transcender les pesanteurs de sa tribu, on se morfond dans le tribalisme. Lorsqu'on est incapable d'aller au-delà des forces tribales, on se morfond dans le tribalisme comme une excuse. On s'agrippe. J'aimerais vous faire d'abord comprendre que le tribalisme est naturel. J'ai fait un post dans la semaine, ou il y a quelques jours, où je disais que le tribalisme est naturel. Ça surprit les gens. C'est parce que nous ne comprenons pas combien nous sommes tribalistes. Nous rejetons le tribalisme tellement nous sommes tribalistes que nous rejetons ce tribalisme. Voilà pourquoi on a l'impression que ce n'est pas naturel. On nous a enseigné à rejeter la nature, à la dénigrer, à refuser notre propre nature. Et quelqu'un qui refuse sa propre nature ne peut pas avoir des ailes pour aller vers une autre nature. Les gens disent le tribalisme est institutionnalisé, le tribalisme est une mauvaise chose, le tribalisme est ceci. Parce que vous ne comprenez pas le tribalisme. Le tribalisme est ceci, il n'est pas naturel, il est culturel. Ce qui est culturel n'empêche à rien que ce soit d'abord naturel. La culture est un mode continuel, est une façon de faire pendant longtemps, pendant un certain temps. Mais nous avons commencé à le faire d'une certaine façon, à un certain moment. C'est là-bas qu'il faut regarder. Ce qui est culturel n'est pas forcément naturel, mais ce qui est naturel peut devenir culturel. Je prends un exemple. Et je l'ai pris plusieurs fois déjà.
C'est naturel que lorsqu'on te tape, que tu rentres, regardez les enfants, les petits bébés. Tapez un petit bébé qui peut rentrer, vous allez voir. Il va rentrer. Donc, regardez les petits enfants jouer entre eux. Ils se tapent dessus. Pap, pap, pap. C'est naturel. C'est la nature humaine. C'est la nature instinctive. C'est l'animal en nous. Mais si vous laissez ces enfants se taper chaque fois, sans les éduquer à ne pas taper, à résoudre les problèmes autrement et tout, ils vont développer une culture de la violence. Et dans 20 ans, 30 ans, ils seront violents. Et on dira, les enfants de telle maison, les enfants de tel parent, de telle famille, de tel ceci, ont une culture de la violence. Les enfants de tel pays ont une culture de la violence. La culture, c'est l'habitude de faire quelque chose pendant longtemps, d'une certaine façon. Mais au départ, c'était naturel pour un enfant de rendre. Il est né comme ça. Il ne s'est pas forcé ça. C'est vous qui dites que Dieu crée les hommes. Dieu a créé l'homme avec l'instinct de suivi, de rendre, de violence, tout, 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 tout. C'est de même avec le tribalisme. Chaque enfant naît naturellement dans une maison. Chaque enfant naît naturellement dans une maison. Aucun enfant ne naît hors de la maison, hors d'un cercle. À moins l'enfant Jésus, qui naît, je ne sais pas où, d'un Saint-Esprit. Mais chaque enfant naît dans une maison. Chaque enfant est obligé d'abord d'aimer ses parents ou bien d'être, de s'identifier à ses parents. Chaque enfant, il est obligé. Il ne peut pas choisir. L'enfant ne peut pas choisir s'il doit s'identifier à ses parents ou non. D'ailleurs, si un enfant naît et qu'il n'est même pas présenté à ses parents, il est présenté à ses oncles ou à ses tantes, il finit par s'identifier à ses tantes parce que l'identification est nécessaire pour sa survie. L'identification à sa famille. Chaque enfant donc qui naît dans une famille trouve une famille qui est dans une tribu. La famille déjà identifiée à la tribu, parce que la tribu est sa forme de survie. C'est son lieu primaire de survie. La survie de la famille. La famille vit d'abord dans un groupe, dans une communauté, dans un espace limité avec des êtres humains ayant les mêmes habitudes, ayant la même vision, ayant les mêmes traditions, les mêmes choses. C'est naturel. La famille elle-même ne peut pas choisir actuellement de se libérer de sa tribu. L'enfant donc automatiquement grandit imprégné de l'identité de sa tribu. La tribu. Et l'enfant va défendre sa tribu. C'est naturel. C'est naturel de défendre ses parents. C'est naturel de défendre son frère. De lutter parce que la tribu, l'enfant veut survivre. Et toutes les tactiques de survie, il va les utiliser. En tant qu'individu, s'il s'identifie à sa famille, il va vouloir que sa famille survive. S'il s'identifie à sa tribu, il va vouloir que sa tribu survive. Écoutez très bien, c'est naturel. Parce qu'il sait que si lui disparaît, si sa tribu disparaît, lui-même il disparaît. Si ses parents disparaissent, lui-même il disparaît. Donc, il va automatiquement se défendre, bec et ongles. Sans parfois, sans rationalité. D'ailleurs, pas besoin de rationalité pour défendre, pour survivre. Je l'ai dit hier.
Il va aimer sa tribu, c'est naturel. S'il faut tuer pour sa tribu, il va le faire, c'est naturel. Il s'agit de sa survie en tant qu'identité. Écoutez, il n'y a pas que le corps de l'homme qui veut survivre. L'esprit de l'homme veut survivre. Le corps de l'homme survit parce que l'esprit veut survivre, parce que l'esprit survit. Et l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est l'identité. Ce qui te permet de t'accrocher, qui permet à ce corps de s'accrocher à la vie. Dans l'esprit, il y a ce qu'on appelle l'identité. Je m'identifie à ce groupe parce que ce groupe me permet de survivre. Le problème est que nous avons rejeté la nature. Parce qu'on nous a éduqués à rejeter la nature. Le naturel. On le combat, on est contre nous-mêmes. Lorsqu'on combat la nature, vous-même vous dites l'habitude qui revient au galop. N'est-ce pas? Lorsqu'on combat la nature, vous dites qu'il revient au galop. Ou bien qu'elle revient au galop. Pardon. Lorsqu'on combat le naturel, il revient au galop. Le tribalisme est naturel. Le tribalisme, c'est notre nature. Acceptons le tribalisme. Nous sommes des tribalistes. Sous certaines conditions, nous allons défendre nos tribus. Même s'il faut qu'on tue, qu'on divise, qu'on haïsse, nous allons le faire sous certaines conditions. Donc c'est une question de conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Il y a des gens qui disent « je ne peux pas tuer ». Moi, je ne peux pas tuer. Si tu vois quelqu'un qui tue, tu dis, ouais, l'homme l'a tué, cette femme. Cette femme l'a tué, cet homme. Les gens l'ont tué, ceci. On le dit. Mais ce que nous omettons, c'est que le moment où on le dit, je ne peux pas tuer, on ne prête pas attention dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Sous certaines conditions, nous pouvons tuer. Et les conditions qui nous permettent de tuer sont souvent les conditions où notre survie est en danger. Notre survie en tant que personne physique, mais aussi notre survie en tant qu'identité que nous portons. Parce que c'est notre identité que nous portons au fond de nous, l'idée que nous portons de nous-mêmes, qui est très importante. Si cette idée s'écroule, notre monde s'écroule. Il y a des gens qui vont vous dire, je suis un grand gestionnaire. Écoutez très bien. Il va vous dire, je suis un grand gestionnaire, je suis un grand docteur, je suis un grand médecin, je suis un grand ceci ou cela. Cette idée est plus importante pour lui que l'idée que Paul Biya doit partir, par exemple. Je vais vous faire un dessin. Je vais faire. Imaginez-vous un grand cercle. Imaginez-vous un cercle comme celui-ci. Dites-vous, pardon, que le premier cercle, celui-ci, c'est. C'est une pensée. C'est votre. Dites que tous ces cercles s'y représentent. Tous ces cercles représentent tout être, d'abord votre être, votre mental.
Et que la première, le premier cercle, c'est une pensée, une idée. Par exemple, disons, le gouvernement Biya gouverne mal. La première idée, c'est le gouvernement Biya gouverne mal. La deuxième idée, c'est bon, est-ce qu'on peut aller dans cet exemple? Je prends la première idée, c'est Eto fils est multimillionnaire. Non, Eto fils est PD. Voilà. Eto fils est PD. Première idée. Deuxième idée, le gouvernement camerounais gouverne mal. Il doit tomber. Troisième idée, un, deux, trois. Troisième idée, c'est je suis un grand économiste. Ou bien, je suis un homme sérieux et transparent. Voilà. Vous avez, par exemple, j'ai nommé 1, 2 et 3. La première idée, tout ceci, ce cercle que vous voyez ici, c'est votre mental. Ça représente toutes les idées et les systèmes de pensée que vous avez de la vie, de votre environnement, de qui vous êtes. Mais ces idées ou ces pensées n'ont pas toutes la même valeur à vos yeux. Et vous ne la défendez, elles ne sont pas plus importantes. Ces idées ne sont pas importantes au même degré dans votre esprit. Mais vous les partagez toutes, premièrement. Vous avez la première idée, et ton fils est un PD. Vous avez cette idée. Vous avez suivi sur Facebook, et ton fils est un PD, partout, par exemple. Vous croyez à ça. Mais que ton fils soit un PD ou pas PD, ça ne vous arrange, ça ne vous dérange pas en fait beaucoup. Ça ne vous dérange pas beaucoup trop. Bon, vous n'aimez pas les PD, certes. Mais que ton fils soit PD, connaître la véracité de ça ou pas n'est pas pour vous un problème. Savoir si c'est vrai ou non ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est juste que vous avez cette idée. Elle n'est pas plus importante. Au deuxième niveau de votre esprit, vous avez le gouvernement Biya gouverne mal et il doit débarquer. Cette idée devient plus importante. Vous êtes vraiment engagé. Vous allez chercher les moyens. Vous allez chercher les moyens, des voies et moyens, comment faire pour changer. Vous allez être avec ceux qui veulent changer. Ceux qui ont la même idée que le gouvernement Biya gouverne mal. Vous allez vous mettre à leur côté, vous allez travailler avec eux, vous allez faire beaucoup de choses avec eux. Mais que ça change, que ça ne change pas, que ce soit vrai ou non, n'est pas trop important. D'ailleurs, si le gouvernement ne parle pas,
Ça change quoi? S'il ne tombe pas, bon, vous pourrez vous en sortir parce qu'il y a quelque chose qui reste encore. Mais c'est ce qui a tenu les Camerounais pendant plusieurs années. C'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui reste encore. C'est le troisième degré de pensée. L'idée que nous portons de nous-mêmes. L'identité, l'image que nous avons de nous-mêmes. Cette idée est centrale. Elle aussi. On n'est pas là pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Tout ce qu'on sait, c'est que cette idée est centrale à nous. Je suis un grand économiste. Je suis un grand politicien. Je suis un homme juste. Je suis un homme transparent. Je suis quelqu'un qui ne blague pas. Je suis quelqu'un, je suis Bamileke. Je suis Betty. Je suis Boulou. Cette idée est plus centrale que toutes les autres idées. Elle est plus importante parce qu'elle est au centre. C'est elle qui constitue le noyau de votre esprit. Ça veut dire que c'est elle qui détermine les autres idées, comment vous allez les voir, comment vous allez traiter avec elles, comment vous allez vous approcher les choses. Je suis hétérosexuel. Si on te dit que ton fils est homosexuel, tu vas combattre l'homosexualité et tu ne vas plus aimer ton fils, que ce soit vrai ou faux, ça ne te regarde pas. Mais bon, ce n'est pas quand même quelque chose qui va t'empêcher de vivre. Tu vas continuer à vivre et tu vas continuer ta vie. De toute façon, il est payé pour lui-même. Et bon, tu vas rationaliser. Ce n'est pas très important. Deuxième niveau, tu vas dire, on va dire le gouvernement Biya doit partir parce qu'il gouverne mal. C'est vrai, bon, ça devient un peu important parce qu'il s'agit de la gouvernance, de ta vie, la vie d'une nation, la vie d'un peuple, la vie d'un pays. Tu vas dire, bon, oui, ça vraiment, moi aussi, puisque s'il gouverne mal, je suis affecté. Bon, ma survie est affectée, mais. Bon, mais si aussi ça passe et que on peut trouver quelqu'un qui gouverne mieux ou bien on fait ceci, on va voir. Je ne perds pas grand-chose, en fait. Que le gouvernement soit là ou ne soit pas là. À ce deuxième degré de pensée, à ce deuxième degré de pensée, en général, à ce deuxième degré de pensée, en général, c'est là où le Camerounais commence à voir les problèmes. Parce que le régime Biya fait 40 ans au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'au niveau-ci, les gens savaient qu'ils continuaient à vivre. Les gens savent que le gouvernement Biya, le gouvernement et tout, ça ne change en rien. L'idée qu'ils portent d'eux-mêmes, de qui ils sont, cette idée ne critique pas ou ne déstabilise pas l'idée centrale. Et l'idée centrale, c'est quoi? Je suis Bamileke. Je suis Boulou. Je suis Eton. Je suis nordiste. Je suis un grand économiste. Je suis un grand politicien. Je suis une femme comme ceci. Je suis un homme comme ceci. Je suis chrétien. Cette idée est fondamentale. Pourquoi? Parce que cette idée aussi, ce n'est pas la véracité. L'idée centrale, si ce n'est pas la véracité de cette idée qui est importante pour toi, ce n'est pas si c'est faux ou c'est vrai. Je suis Sawa, comme le dit Jean-Marie. Pour toi, s'il s'agit de l'identité mentale, il s'agit de ce qui fait toi dans tout ce bruit. Mais c'est aussi l'idée la plus dangereuse. Parce que si elle est fausse, si cette idée est fausse, tout ce que tu vas faire sera faux. Si cette idée est fausse, tout ce que tu feras sera faux. Voilà pourquoi il est très important de questionner nos identités. Est-ce que nous sommes vraiment Sawa? Est-ce que nous sommes vraiment, est-ce qu'en tant qu'être humain, tu es vraiment Bami? Est-ce que tu es Boulou? C'est
Boulou, être Bami, être Boulou, être Bassa, être Sawa, être Nordiste, et ceci. C'est juste une identité que tu acquiers, que tu développes dans ta croissance. C'est juste une idée que tu portes de toi, que tu acquiers de ta société, de ton milieu, naturellement. Mais ce n'est pas toi. C'est ce que tu es. Tu es la capacité d'avoir toutes ces idées. Voici ce que tu es. Tu es la capacité d'avoir toutes ces idées. Tu es le potentiel porteur de toutes les idées possibles. Les idées de démocratie, les idées de liberté, les idées de libération, les idées de justice, les idées de tribalisme, les idées de... C'est toi qui les portes. Tu es capable de tout. Le malheur est que tu t'es tellement identifié à cette idée centrale de toi. Je suis un grand économiste, je suis un grand leader, je suis quelqu'un qui est transparent, je suis. Tu as oublié que ce n'est pas ce que tu es, c'est un aspect simplement de toi. Et que pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont plus grands que ce que plus grand que l'économiste, plus grand que l'homme transparent, il faut pouvoir englober. Inclure toutes ces qualités de toi. Il faut être capable de transcender toutes ces qualités. Si tu peux même ajouter, je suis quelqu'un de compréhensible. Je suis quelqu'un qui est sensible. C'est aussi une identité. Tu peux ouvrir les valves. Le malheur est que au Cameroun, nous sommes Bami. Nous sommes Bassa et simplement ça. Nous sommes Sawa et simplement ça. Nous sommes Betty Boulou et c'est simplement ça que nous sommes. Nous nous sommes identifiés aussi petits. Nous nous sommes limités à cette idée que nous n'avons pas pu aller au-delà, créer de nouvelles couches d'idées, des systèmes de pensée complexes. Nous sommes restés juste un petit noyau. Juste un petit noyau. Un petit cocon. Un petit mur. Je suis transparent. Tellement tu es transparent que tu deviens invisible. Tellement tu veux être transparent que tu deviens invisible. C'est comme si vous prenez un papier, vous avez une gomme. Vous gommez le papier, tellement vous gommez le papier que vous percez le papier et vous ne voyez même plus ce que vous avez gommé. Vous ne pouvez même plus écrire. Moi, je tiens à la transparence. Parce qu'on tient à la transparence, on détruit de très belles idées. Parce qu'on tient à la transparence, on oublie carrément d'être rationnel. Parce qu'on tient à notre tribu, on oublie carrément, totalement, on est aveuglé que nous sommes un pays et les peuples d'une même nation. C'est là le malheur. Ce n'est pas le fait d'avoir des identités. C'est que nous nous sommes accrochés à des identités. Nous avons dit que je suis ceci. Et c'est tout ce que je suis. Je fais ceci. Et c'est comme ça que moi j'ai l'habitude de faire. Celui qui n'est pas content, part. Je n'ai pas besoin d'apprendre de quelqu'un. Mieux ça se gâte, pourvu que je garde mon identité. Mieux tout se gâte, mieux tout s'écroule. Pourvu que je conserve l'idée que je porte de moi-même. Je suis un grand tel. Voilà notre problème. Je suis
un boulot. Je suis un Douala, je suis un Bamileke, je suis des Grassfield, je suis de ceci, je suis un Banganté, je suis un ça. Tout peut se gâter. Mais l'idée de qui je suis, si ça s'écroule, je ne vais même plus reconnaître qui je suis. Et j'ai peur de ne plus savoir qui je suis. Parce qu'on m'a éduqué pendant longtemps à croire que je suis ça. Mais si je regarde en fait, non, je suis le potentiel, je suis le potentiel. Je peux tout être. Je peux choisir d'être. Je peux choisir d'être ce que je veux. Je suis le potentiel. Voilà la vérité. Je suis le potentiel. Je peux choisir d'être seulement Bami ou Sawa. Je peux choisir d'être seulement transparent et un grand économiste qui ne blague pas, un grand politicien qui ne rit pas, qui ne fait pas ceci. Mais je peux aussi choisir d'être quelqu'un de sensible, de parfois mettre la transparence de côté et m'ouvrir à la rationalité. Parce que quand on dit je suis transparent, ça ne veut rien dire. C'est un terme subjectif. C'est un terme subjectif. La vie s'en fout de qui nous sommes. La vie se fiche pas mal de si nous sommes transparents ou non. Vous pouvez être tellement transparent que vous blessez des êtres humains. Il faut prendre ça en compte. Ou vous pouvez vouloir être toujours transparent que vous finissez par détruire. Faites très attention. Parce qu'il est possible que vous vous accrochez à votre transparence, à vos tribus, que vous perdez l'objectivité sur le grand travail qu'il y a à faire. Le tribalisme est donc le bouc émissaire. Il y a quelques semaines, quelques mois de cela, il y a un livre qui est sorti, Mamadou Mouta, le lion de Tokoumbéré. J'ai échangé avec certaines personnes quand ce livre est sorti. Quand ce livre est sorti, j'ai échangé avec certaines personnes, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Parce que ce livre, ce titre, je l'ai trouvé, il servait chez les hommes ce degré. Le tribalisme. Le titre, pour moi, a tout de tribaliste. Parce que l'homme qu'on accroche là, le nom de l'homme qu'on met là, je l'ai suivi. Cet homme n'a jamais dit qu'il était de Tokoumbéré et qu'il était le lion de Tokoumbéré. Cet homme n'a jamais dit qu'il était le lion de Tokoumbéré. Mais à travers le titre, de manière subtile, on a éveillé, on a allumé une porte, une source, une issue. On a donné une issue à l'expression du bouc dodu, le tribalisme, sans que les Camerounais ne s'en rendent compte. Parce que les Camerounais, ce qui les intéresse, bon, le lion de Tokoumbéré, c'est le premier degré, c'est comme Étoffis. Ou bien comme le deuxième degré, le gouvernement doit changer. Mota. Dès qu'on a lu le nom, Mota. Mais on n'a pas vu l'association qu'on a fait de ce nom avec le troisième, le noyau central. Le noyau central.
Le nom de Mota, c'est un peu comme le gouvernement doit partir, c'est la lutte. Mais personne n'a vu l'association de ce nom, premier degré, au noyau central, à votre identification tribale. Il est de Tokoumbéré. Je me rappelle, nous sommes partis. Nous sommes partis. Nous avons suivi en France des députés parler de Maurice Kamto. Ils ont dit ceci. C'est un Bamileke. Ils ont précisé Maurice Kamto de la région de l'Ouest. Et nous étions tous offusqués. Pourquoi? Ce monsieur se présente comme un Camerounais, mais on dit non. Tu n'es pas simplement un Camerounais. Il y a quelque chose de plus profond en toi, une identité plus profonde à laquelle il faut qu'on t'associe. Lorsque tu veux transcender tes identités tribales, on va toujours les associer. On va toujours te ramener, chercher à te repousser dans ton village. Mamadou Mota, le lion de Tokoumbéré. C'est fait de manière peut-être inconsciente, involontaire. Donc je ne suis pas là pour accuser les gens. Je suis là pour vous montrer comment ça fonctionne dans le fond. Comment on fait pour écarter les gens, les Camerounais, dans le fond. Comment les Camerounais eux-mêmes s'écartent parce qu'ils sont habitués à l'écart. Dans le fond, sans que les gens ne se rendent compte. Mamadou Mota, le lion de Tokoumbéré. Et qu'est-ce qu'on fait? Remarquez que si moi je connais Mamadou Mota, si moi je connais Mamadou Mota, vous avez remarqué depuis un certain temps, il y a un lien qui est affiché, j'aide, où j'ai lancé une action pour le soutien d'un combattant, Salomon Béas, qui est en prison. Je vous parle de Salomon Béas. Je vous dis que je cause avec lui. Pendant qu'il est en prison, je vous parle de ça. On échange. Je partage avec vous ses rêves et ses projets. Vous ne vous êtes pas posé la question que c'est quand Mamadou Mota sort de prison que le livre sort. Ne vous êtes pas posé la question comment ça a commencé. Pourquoi vous ne demandez pas à ces personnes de vous parler de ce qu'ils font, de comment ils écrivent les livres, de comment ils font pour écrire des livres, des centaines de pages sur quelqu'un. Ils sont des experts en écriture des livres sur les gens. Quel est cet amour qu'on a au Cameroun d'écrire les livres sur les gens? Pourquoi les gens, au cas où ce sont ces personnes qui demandent qu'on écrive leurs livres, quel est cet intérêt à ce que les gens écrivent des livres sur vous? Des autobiographies, pourquoi? En général, les autobiographies se font à la fin, se préparent à la fin de vos parcours. Quand vous avez produit du travail, personne ne questionne ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est de consommer un ouvrage sur lequel s'est écrit le lion de Tokoumbéré. Sachant que vous ne consommez pas, sachant que vous n'avez peut-être pas les moyens, qu'en général vous ne lisez pas, on ne prend même pas la peine de causer avec vous, d'échanger avec vous sur ce qui est dans le livre, de vous parler de ce que c'est directement
On vous pointe le tribalisme comme étant la raison pour laquelle le livre ne marche pas. Le livre ne se vend pas. Le livre ne s'achète pas. Est-ce que vous voyez où on veut aller? Est-ce que vous voyez où ils veulent aller? Lorsqu'on veut vous écraser, on active le bouc émissaire, le tribalisme. Lorsqu'on veut vous diviser, on chatouille votre identité tribale. Parce qu'on sait que ça vous importe tellement. Que lorsqu'on va toucher à ça, vous allez vous allumer. Et quand vous vous allumez à ce niveau, vous êtes prêt à tout gâter. Vous êtes prêt à tout gâter, mieux ça se gâte. L'objectif, le plus grand objectif n'est plus important. Parce que vous avez l'impression ici qu'on est en train de s'attaquer à quelque chose de fondamental de votre suivi, votre groupe, votre suivi. Il y a suivi de votre identité. C'est très fondamental pour l'être humain. Et parce que c'est très fondamental pour l'être humain, c'est aussi une pierre angulaire. C'est aussi très dangereux. Il ne blague pas avec ça. Il perd toute sa tête à ce niveau. Donc on va provoquer. Vous provoquer. On va sortir des livres, on va sortir des propos, on va faire. Les gens viendront, ils entrent, ils sont de toutes les autres tribus. Après, ces personnes qui sont de toutes les autres tribus vont vous annoncer un soir qu'ils ne sont plus avec vous. Qu'est-ce que ça crée? Les gens qui sont entrés, est-ce qu'il y a des gens qui entrent parfois dans les choses en suivant quelqu'un qui parle sa langue? Un frère, un cousin, un ami, si je suis Bassa, j'entre parce que j'entre dans cette lutte parce que c'est dans le MRC ou bien dans le peuple camerounais qui est dans cette lutte, il y a des Bassa aussi. Et à la tête du leadership, il y a un Bassa. Ça me satisfait qu'au moins ma tribu est représentée à la tête du leadership. Le jour où le leader Bassa quitte la lutte, la probabilité que les Bassa qui sont venus de cette façon quittent la lutte est grande. J'entre parce que un leader de la lutte est nordiste. Je suis nordiste. J'adhère à cette lutte parce que, en fait, au moins un leader, quelqu'un qui est de ma tribu, est quand même à la tête. Ça veut dire que ma tribu est représentée. Puisque je tiens beaucoup à ma tribu, elle est représentée à des sphères. Elle devient importante. Donc j'avais raison. Ma tribu est importante. Puisqu'elle est représentée dans la classe de l'élite, elle est représentée à la tête de la lutte. Si donc la personne de la tête de la lutte quitte, qu'est-ce qui se passe? La grande majeure partie des personnes qui regardaient la tête et voyaient leur tribu quitte. Finalement, lorsque toutes les tribus quittent, il reste une seule. Celle qui s'accroche à la seule tête du leader qui est de la tribu, de leur tribu. Pas parce qu'elle veut. C'est parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est la seule chose qui reste. C'est le seul leadership qui reste. Et comme c'est le seul leadership qui reste, la majorité va rester, de cette tribu va rester. Alors, on va vous sortir, que vous voyez. On vous avait dit que c'est un groupe tribal, que c'est une lutte tribale, que c'est une revendication tribale. Regardez tous ceux qui ne sont pas de la tribu du leader qui est là actuellement, sont partis. Ils les ont chassés parce qu'ils insultent, parce qu'ils ne respectent pas, parce qu'on ne leur dit pas d'arrêter d'insulter, parce que le leader là ne dit pas ceci, le leader ne dit rien, parce que. Ce même leader dit tout le temps. On ne peut pas changer un pays avec les insultes. Il est le seul qui le dit. Et il le martèle tout le temps. Lui-même, il n'insulte pas. Mais on le condamne de ne pas condamner les insulteurs. Comme pour lui dire, juste pour lui donner la charge. Mais la tactique, c'est le tribalisme.
Ce sont les tactiques du régime Biya. Ils vont partir, ils partent, 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 et le leader de la région reste seul avec les membres de sa région qui s'accrochent aussi à lui parce qu'il est tribal, ils sont tribalistes. Parce qu'ils ont l'impression ici que bon, tout le monde est parti, il ne reste que un homme, l'homme qui parle, l'homme de ma tribu, l'homme de ma région. Ma région, c'est très important pour moi, ma tribu est très importante, je suis obligé de rester avec lui. Ah, le piège. La majorité reste donc avec lui. Quand tout le monde est parti, ça donne une leçon. Pam! Il était tribaliste. Regardez. C'est un groupe de gens de sa région qui sont avec lui. On vous avait dit. Ce que je dis ici, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça s'adresse à tout le monde. C'est pour nous amener à nous re-questionner. Écoutez très bien, c'est pour nous, parce que c'est comme ça que ça marche. Et c'est l'objectif qu'ils ont. Voilà pourquoi je vous disais hier que questionnez-vous, why am I in this fight? Quelles sont les raisons motrices de mon engagement autour du président Maurice Kamto dans cette lutte? Parce que si vous ne faites pas ça, qui que vous soyez, vous allez le trahir. Je dis, qui que vous soyez, vous allez le trahir. Bia, tu vas partir, qui demande la marque de ma montre? C'est Royal London. Je t'ai répondu là-bas. Je sais pas, depuis hier, tu peux me demander ma montre. Royal London, c'est la marque. Tu peux la trouver où tu veux, sur l'internet. Je t'ai répondu sur un commentaire. Je vous dis que si vous ne faites pas cette réflexion, vous n'allez pas comprendre comment l'ennemi vous a infiltré et comment il est en train de détruire. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas de la région de Maurice Kamto. Je m'adresse à ceux qui sont de la région de Maurice Kamto. Parce que j'ai commencé à voir des gens qui ne sont pas de la région de Maurice Kamto être découragés hier à la sortie de Penda et Coca. Ils se lavaient les mains. Ils disaient qu'ils avaient besoin de repos. Le tribalisme. Lorsqu'on maintenant, on veut vous tuer, on dit le tribalisme. Lorsqu'on veut vous décapiter, on utilise le tribalisme comme un moyen de vous décapiter. Voilà pourquoi tous ceux qui parlent du tribalisme dans le sens de donner une valeur à une tribu, quelle qu'en soit la tribu, remarquez, sont dans le même ordre d'idées. Que ce soit le titre d'un livre, je dis bien que, écoutez, je ne suis pas là pour faire des trucs avec les, je ne suis pas là pour plaire. Je dis, le titre du livre de Mamadou Mota est un titre à connotation tribale. Parce que Mamadou Mota n'est pas le lion de Tokoumbéré. Et pourquoi il devait être un lion? Ça ne suffit pas que Biya soit un lion. Que Biya était un lion. Pourquoi il devrait être un lion? Et pourquoi de Tokoumbéré? Pourquoi de Tokoumbéré? Mamadou Mota se lève tous les jours et parle du Cameroun et on veut vous présenter comme le lion de Tokoumbéré. Tous les jours. Et on veut que vous achetiez ses livres. Pour vous endoctriner
comment il a été vraiment pour le nord, vous allez commencer à le regarder seulement comme un homme de Tokoumbéré. Faites très attention. Et je dis, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Parce que le tribalisme n'est pas seulement une affaire qu'on t'envoie faire. À force de vivre dans le tribalisme, on devient tribaliste, on utilise le tribalisme sans se rendre compte. Ça devient une culture. On dit le peuple là, ce pays a une culture de tribalisme. Le tribalisme est simple. C'est l'amour de sa tribu et sous certaines conditions, la capacité de tout faire pour faire sauvegarder sa tribu. Parce que sa tribu est très importante dans son esprit. Sa tribu est sa source de survie. C'est le dernier rempart. Les gens peuvent tuer pour la tribu. Mamadou Mota n'est pas le lion de Tokoumbéré. Et on commence à vous accuser que si vous n'achetez pas les livres, c'est parce que vous êtes des tribalistes. Vous achetez seulement les livres de Maurice Kamto. Je ne suis pas Bamileke. Parce que le livre de Maurice Kamto, je l'ai acheté pour l'idée que ça porte. Et il n'écrit pas des livres pour dire Maurice Kamto, la panthère de l'Ouest. Ce n'est pas son niveau. Quelqu'un qui est intelligent ne peut pas acheter ce genre de livre. Quelqu'un qui est intelligent ne peut pas acheter. Quelqu'un qui est clairvoyant ne peut pas acheter le livre de Mamadou Mota, le lion de Tokoumbéré. Au contraire, il va faire une critique. Parce que c'est comme ça que le régime fonctionne. On commence à vous accuser. On ne vous accuse pas de ne pas prêter attention au livre. On ne vous accuse pas de ne pas prêter attention au livre. Écoutez, on ne vous accuse pas de ne pas être intéressé par ce qui est dans le livre. On vous accuse de ne pas l'acheter. On vous accuse de ne pas l'acheter. Et les raisons pourquoi vous ne l'achetez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de la tribu. Vous voyez, on revient avec. Ça va donc créer un nouveau champ. Si vous ne faites pas attention, un nouveau champ de lutte. Vous allez commencer à converser sur la tribu. Commencer à dire, oh non, la tribu. Et ça entretient l'idée que la tribu est importante. Dans tout. Maintenant, les faits, les âmes faibles, les âmes qui ont besoin d'être convaincues, se retiennent. Oh, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'intelligents. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de produire des livres au Cameroun. Des jeunes Camerounais sont capables d'adhérer à des mouvements de libération s'ils ressentent qu'ils auront. S'ils auront la visibilité. Mais ils vont dire, oh non. Moi, je suis Bassa. Si je pars là-bas, je commence à vendre quelque chose. Ils ne vont pas acheter. Regarde déjà que Mamadou Mota, ils n'ont pas acheté. Mais si Kamto sort, ils achètent. Donc, mieux je reste comme je suis. Je préfère être avec les miens. Même si je n'écris pas des livres là-bas, même si on n'achète pas, je suis au moins avec les miens. Je suis moins en sécurité avec les boulots. Je suis au moins en sécurité avec les miens et Wondo, Bassa, Sawa. Même si je suis pauvre, comment? Même si je suis misérable, comment? D'ailleurs, on le dit tous les jours. On reconnaît qu'ils sont les siens lorsqu'on souffre. Donc, mieux je souffre,
pour reconnaître qui sont les miens. Parce que l'idée d'appartenir aux miens est plus importante que l'idée du changement. Je préfère souffrir pour appartenir aux miens. Je préfère souffrir en appartenant aux miens. Parce que l'idée d'appartenir, d'appartenance à une communauté, à un groupe, est plus impactante dans mon identité que l'idée du changement au Cameroun. On préfère mourir entre les bras des siens dans la pauvreté. Dans la misère, dans la souffrance, que de mourir dans la liberté en Europe, aux États-Unis. Voilà pourquoi vous voyez les gens, dès qu'ils veulent mourir, ils courent au village. Ils courent au village. Vous ne savez pas pourquoi un adulte court au village lorsqu'il veut mourir. Il vit toute sa vie à l'Occident, partout, il mange, il boit. Lorsqu'il veut mourir, il court au village. Il faut mourir chez les siens. Parce que l'idée des miens est plus importante que de mourir dans un très bel hôpital à New York. Mieux, je ne vais pas mourir dans la case de ma grand-mère où la pauvreté est retentissante. Parce que l'idée d'appartenance aux miens est plus importante, plus impactante dans mon esprit que l'idée du changement, que l'idée du développement. À quoi me sert le développement si je perds l'attachement au mien? Si je me lance dans les idées du changement, si j'accepte autrui, si je me lance dans l'acceptation de la vision d'un pays nouveau, d'une lutte nouvelle, d'un changement, à quoi me sert tout ça si je perds l'attachement au mien? Est-ce que je reconnaîtrai encore les miens? Est-ce que les miens vont encore m'aimer? Mon groupe d'amis, parce que les miens, ce n'est pas seulement les tribus, le groupe d'amis avec qui j'étais. Oh, j'étais directeur à la présidence, j'étais président à la présidence, j'étais ceci. Est-ce que si je perds ça, est-ce que mes groupes d'amis avec qui je m'entends bien, s'ils ne sont pas d'accord avec le chemin que j'ai choisi et que je continue, est-ce que je risque de ne pas perdre l'amitié avec les miens? Avec mon groupe, avec mes habitudes. Des gens qui ont vécu à la présidence, ils ont pris la présidence comme leur pays, comme leur maison. Ils se sont identifiés aux chambres, aux couloirs, aux allées, aux trucs, aux cérémonies d'intronisation, de détronisation. Ils se sont entourés à tout le farfelu des strass et paillettes. Écoutez combien misérables sont ces enfants. Comment c'est dur pour ces enfants de laisser le pouvoir. Ils ont peur d'aller habiter bientôt dans des maisons voisines, dans les faubourgs, dans des villages. D'ailleurs, ils construisent des maisons dans leur village pour y retourner. Ils n'arrivent pas. Ils sont en conflit tout le temps avec eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à décoller. Ils s'accrochent au pouvoir. 40 ans, ils sont là. Des gros bébés, des gros enfants. Les miens, mes amis, ma confrérie. En fait, c'est pour les miens. Je suis rosicrucien. Tous les rosicruciens sont des fratères. Les Français sont nous, c'est les miens. Et à cause des miens, je suis capable de tout rejeter. Tout ce qui est noble, tout ce qui est rationnel. Tout ce qui est bon. Parce que l'idée des miens et l'appartenance aux miens est plus fort en moi que l'idée de tout changement. L'idée de qui je suis, de l'importance que je porte de moi-même, est plus fort que toute idée de changement, que toute idée de travail en commun,
Je suis fort. Je suis quelqu'un de gérant. Je suis transparent. Et comme je suis transparent, je m'en fous de toute règle de la logique. D'ailleurs, la transparence n'a pas besoin de logique. Elle n'a pas forcément besoin. Dire je suis transparent n'a pas besoin d'être prouvé vrai ou faux. Mais faire un audit a besoin d'être prouvé vrai ou faux. Un audit a besoin d'être prouvé vrai ou faux. Un audit n'a pas besoin de savoir si je suis transparent ou non. Si j'ai géré des trucs plus grands que ça ou non. Ce n'est pas ça le rôle d'un audit. Donc je ne peux pas me baser sur mes grandes gérances, ma grande transparence pour décider de gâter quelque chose sur lequel un peuple, une vision, une idée, enfin des leaders d'une certaine carrure ensemble. Ce qui nous manque, c'est l'ensemble. Ce qui nous manque, nous sommes très bons individuellement. Le professeur Franklin Nancy sait souvent l'exprimer. Ce qui nous manque, c'est le travail collectif. C'est très difficile. Pas parce que nous ne pouvons pas. C'est parce que nous nous sommes accrochés aux petites idées de qui nous sommes. On ne peut pas me nommer. On ne peut pas me nommer. On me nomme, il me nomme en tant que qui? En tant que quoi? On ne peut pas me nommer. Quelqu'un qui a dépassé l'identité de lui-même accepte même d'être nommé. Et s'il n'a même pas été nommé, il accepte l'idée qu'on a dit qu'il est nommé. Parce qu'il est soucieux de quelque chose de plus grand que lui. Lorsque Femme Ndongo dit qu'ils sont les créatures de Biya, et comprenez, je ne suis pas en train de dire que c'est bon, mais comprenez ici la psychologie derrière. Il accepte même qu'on pense qu'il est la créature de Biya ou de Dissa et qu'on se le rend, que les gens se moquent de lui. Parce qu'il a quelque chose de plus grand qu'il préserve. Voilà pourquoi ces gens ont réussi à tenir le pouvoir pendant plusieurs années. Parce que quelque part, on peut les accuser de mal gouvernance et tout, mais ce qu'ils ont quand même, plus que nous, plus que le peuple appauvri, plus que la masse qui veut le changement, c'est la capacité d'avoir, ils ont la maîtrise, ouais, ils sont entourés, ils ont la maîtrise de la manipulation des masses, des psychologies, des gens. Lorsque on dit je suis pour quelque chose de plus grand, ce que nous sommes individuellement, les capacités que nous avons individuellement deviennent secondaires. Elles deviennent totalement secondaires, elles disparaissent. Elles deviennent... Mais reconnaître que quelqu'un, pour reconnaître que quelqu'un est grand dans un domaine, il faut d'abord reconnaître que tu ne l'es pas. Mais si tu penses que tu es grand, ça devient difficile. Ça devient totalement difficile. Le malheur au Cameroun, c'est que nos adultes bébés se considèrent trop importants. Plus important que l'idée du changement. Plus important que le travail ensemble. Plus important. Il y a l'homme d'affaires chinois, Dali Baba. Comment il s'appelle? Donne-moi son nom. Donnez-moi s'il vous plaît le nom de monsieur qui est Ali Baba.
J'attends que vous me donniez son nom. Son nom m'échappe. Ce monsieur disait, avant que le nom arrive, ce monsieur disait, Jacques Ma, être un grand manager, ce n'est pas avoir les compétences. C'est pouvoir réunir autour de lui des gens qui ont des compétences différentes. C'est pouvoir gérer les compétences des gens. Vous pouvez être un pire manager, un pire chef d'entreprise. Mais si vous avez autour de vous, si vous avez la capacité de m'amener autour de vous, si vous pouvez gérer les humeurs, vous êtes un grand manager. Moi, lorsque j'entends quelqu'un qui me dit qu'il est un grand manager, mais qui me parle des humeurs, j'ai mal. Qui me pointe les humeurs des gens et décide, prend les décisions à partir des humeurs, j'ai mal. Lorsque je vois quelqu'un qui me dit qu'il a la compétence, qu'il est un grand manager, il a managé des choses, et qui me pointe les humeurs des gens comme étant les raisons pourquoi il ne peut pas travailler en groupe, j'ai mal. Pourquoi? Parce que je constate que cette personne n'a pas compris le management. Cette personne a peut-être l'aspect mathématique ou cartésien du management, mais il n'a pas l'aspect psychologique du management. Faire travailler les gens en groupe est très difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que la majeure partie des gens qui veulent travailler en groupe et qui sont des leaders, qui se prennent comme des leaders, qui se pointent comme des leaders et travaillent en groupe, n'ont pas la connaissance, la capacité de gérer la psychologie, leurs propres émotions. Vous n'arrivez pas à gérer vos propres émotions. Mais vous voulez gérer les émotions d'un million, deux, trois, quatre, cinq, 10 millions de personnes. C'est impossible. C'est pas l'argent. Moi, les gens disent, oh, vous avez géré, vous voyez, si vous n'avez pas géré 200 millions, vous n'allez pas gérer un million d'euros, vous allez gérer combien? C'est pas une question d'argent. La gérance, ce n'est pas une question d'argent. C'est la capacité de gérer des consciences. De savoir comment gérer les consciences de telle sorte que l'idée centrale, l'objectif central soit atteint. Ce n'est pas l'argent qui importe. Moi, je ne donne même pas d'importance trop au truc, au défi, telle chose a été dépensée. Monsieur Pendekoka, mon papa, que j'aime toujours, de toute façon, les êtres humains ne sont pas parfaits. Je l'aime. Ça, c'est mon choix. Ce n'est pas ce qu'il fait qui me poussait à l'aimer. Je l'aime. Il ne peut pas changer ça. Monsieur Pendekoka a fait une audition, une présentation de l'audit des dépenses de ce qu'il a fait en tant que gérant. Le truc, c'est que comme il est un homme transparent, il n'a pas prêté attention que même l'audit que lui, ou bien les données qu'il a données ne sont pas claires. Il a fait un cercle, il a fait un diagramme sur lequel il a mis 7% de ceci, 5% de cela, 10% de ceci. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que tu as bien géré. Tout le monde peut faire un cercle, un diagramme avec 5% de ceci. Ça veut dire quoi? Il faut être explicite. Mais là, il n'a pas constaté qu'il fallait qu'il soit explicite. Mais au niveau du bug, il demande aux gens, pourquoi vous-même vous croyez?
Et ça, c'est une question de croyance. C'est de ça que je parle. La capacité de ne pas se dépasser. Nous souffrons de ça. C'est, quand nous-mêmes nous sommes dans ça, on ne se voit pas. Lorsque nous-mêmes nous sommes en train de faire ça, nous sommes tellement plongés dans ça, on ne voit pas. Mais on voit facilement que l'autre n'est pas transparent. Parce que nous sommes très souvent imbus de notre personne. Nous nous considérons plus important que tout, parce que nous sommes au centre du cercle, selon nous. Le monde tourne autour de nous. Les astres tournent autour de nous. Voilà ce que nous pensons. Que nous sommes le nombril du monde. Et dès que nous commençons à penser que nous sommes le nombril du monde, alors le monde nous doit tout. Si le monde ne fait pas ce que nous on veut, on le détruit. Voilà la maladie qui nous menace. Si le monde ne fait pas ce que nous on veut, parce que le monde doit faire comme nous on le voit, comme nous on le perçoit. S'il ne fait pas comme nous on pense que c'est comme ça qu'on doit faire, on le détruit, mieux on le détruit. Mieux on gâte ce qui était beau. Parce que en fait, le monde est beau. Le monde est beau. Mais lorsqu'on se regarde soi-même comme étant le centre du monde, en général, on ne voit pas la beauté du monde. Certaines choses peuvent être transcendées dans la vie pour conserver une très bonne relation. Certaines choses dans la vie peuvent être transcendées pour conserver quelque chose d'existentiel. La cohésion. Nous exigeons au régime Biya de résoudre la guerre aux nos autres. Le régime Biya peut transcender ses intérêts pour conserver la cohésion nationale. Et nous le condamnons parce qu'il ne le fait pas. Mais donc il s'agit de nous. Dans le cas de quand c'est le moment où c'est nous qui devons le faire, nous oublions que nous sommes appelés maintenant à transcender aussi. Nous tombons directement dans le piège de nos égos. Nous tombons directement dans le piège de nos égos. On devient le problème. On n'est plus détaché du problème. On peut facilement juger le problème du régime Biya, sa gérance, parce qu'on n'est pas dans la gérance. Mais lorsqu'on est dans la gérance, quand c'est le moment que nous-mêmes soyons gérés, que nous-mêmes nous gérons, nous perdons toute objectivité. Nous devenons le problème en lui-même. Voilà ce qui nous dérange. Mon père Pendekoka, si tu me suis, moi je suis ton fils. Voilà ce qui nous dérange. C'est ma critique envers ce que tu fais et ce que tu as fait. Madame Lissouk, ma mère, voilà ce qui me dérange. La façon dont tu as présenté ce livre et l'accusation que tu as faite me dérange. C'est ça que je critique. Je ne critique pas ton potentiel. Je sais que tu es capable de beaucoup. Je sais que vous êtes capable de tellement de choses. Mais je regrette que vous soyez réduit à si peu. C'est tout. Maman Lissouk, avec ton livre, Le Lion de Tokoumbe, tu étais capable d'écrire un meilleur titre à ton livre. Tu es capable d'expliquer comment tu as rencontré, comment tu fais pour connaître sa vie jusqu'à ce que tu peux écrire jusqu'à plus de 100, tu peux écrire jusqu'à plus de 100 pages. C'est intéressant pour nous. On ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas Mamadou Mota. Toi, tu as l'occasion peut-être de le connaître, peut-être. En te suivant parler de lui,
en faisant des lives, en faisant des écrits, parler de lui, tu nous aurais plus rapprochés de lui et de toi. Tu ne l'as pas fait. Tu as écrit un livre sur lequel tu as mis le titre et tu l'as croisé quelque part dans un village. Et tu reviens à la fin nous condamner de ne pas l'avoir acheté. On n'achète pas les livres parce que quelqu'un les a écrits. On achète le livre parce qu'ils nous sont intéressants. Tu devais éveiller notre intérêt. Tu devais éveiller notre intérêt à lire ce livre. On ne lit pas un livre parce que c'est le livre d'un leader. Parce que c'est écrit sur un leader. On ne lit en général pas un livre parce que les gens qui écrivent le livre n'ont pas fait le travail qu'il faut faire. Il y a un travail à faire. Parle du livre. Fais des lives. Fais des petites conférences. Dis pourquoi c'est important de lire ce livre. Dis comment tu connais Monsieur Mamadou Mota. Pourquoi tu as choisi Mamadou Mota. Pourquoi tu as choisi de dire le lion de Tokoumbé. Explique tout ça. Ouvre le cœur, ouvre la vie aux Camerounais. Les Camerounais vont acheter. Parce que les gens achètent ce qui les intéresse. Les gens n'achètent pas parce que c'est écrit. C'est pas parce que c'est écrit que les gens achètent. Les gens achètent parce que ça les intéresse. Donc il faut éveiller l'intérêt. C'est facile de dire, les gens sont tribalistes. C'est le chemin le plus aisé. Là, tu ne vois pas ce que tu n'as pas fait. Là, toi, tu ne vois pas ce que tu n'as pas fait. Là, tu ne te remets pas en question. Est-ce que j'ai bien vendu? Est-ce que j'ai bien informé? Est-ce que j'ai communiqué? Tu ne vois pas ça. Tu vois juste que c'est facile de dire. Parce que le cerveau que nous avons ici, c'est le cerveau des ancêtres, en grande partie. Il veut toujours vite faire, prendre des décisions rapides et passer à autre chose. Tu ne nous as pas expliqué. Pour ne pas donc voir que tu n'as pas travaillé, tu accuses de tribalisme. Le tribalisme devient le bouc dodu que tu accroches sur la croix pour sacrifier et donner tort au tribalisme. C'est ce que fait le régime Biya. Comme il n'a pas travaillé, et que vous les Camerounais, nous les Camerounais, nous nous levons, il dit que tout ce désordre, tout ce soulèvement, c'est le tribalisme. Parce que quand il dit que c'est le tribalisme, ça l'empêche lui-même de poser la question, pourquoi les Camerounais se soulèvent contre moi? C'est facile de balayer un leader politique. C'est facile de montrer qu'il ment. C'est facile de dire qu'il a protégé ses amis. C'est très facile de le dire. C'est difficile de le prouver. La seule façon de prouver quelque chose, c'est par les faits. C'est très facile d'accuser les gens. Il y a des amis, je profite de l'occasion pour dire qu'il y a des amis qui viennent qui disent que tu fais des lives, maintenant tu fais des lives dans la tenance et Camto, ils vont t'agripper, ils vont te serrer, fais très attention avec eux, ils sont dangereux. Et je leur demande, qu'est-ce qu'un être humain veut dans la vie? Un être humain veut être embrassé, accepté, veut aimer et être aimé. Est-ce que vous me permettez de faire les lives chez vous? Est-ce que vous parlez avec moi? Est-ce que vous échangez avec moi? Est-ce que vous voulez que je travaille avec vous? Pourquoi je devais rejeter ceux qui veulent que je travaille avec eux? Pourquoi?
Pourquoi? Je suis un être humain. Je veux travailler avec les autres êtres humains. Je veux faire des choses avec les autres êtres humains. Vous avez juste oublié que vous n'êtes pas, que vous êtes des êtres humains. Vous êtes enclavés dans les clans, tel groupe. Et finalement, puisque je suis l'ami de tout le monde, et l'ennemi de tout le monde, pareillement. Parce que dès que tu es l'ami de tout le monde, tu es l'ennemi de tout le monde. Attention. C'est là le paradoxe. Donc finalement, vous ne savez pas. Vous m'en voulez de travailler avec des personnes, des Camerounais. Qui suis-je pour les rejeter? C'est cette mentalité égocentrée que vous êtes important. Même s'il faut que moi, vous ne m'acceptez pas, même s'il faut que je meure, vous êtes tellement important. Même s'il faut que je ne vive pas mes envies, vous êtes tellement important. C'est la même mentalité. Même s'il faut que tout ceci se gâte, je suis tellement important, je suis un grand économiste, je suis un grand ceci, je sais, je suis transparent. Même s'il faut que le Cameroun brûle, c'est moi qui gère, je suis le président, je reste président à vie. Tout le monde est dans cet état-là. Personne ne voit comment on peut faire pour transcender nos propres importances et travailler dans l'union, dans l'unité. Chaque fois que j'ai eu à vouloir faire un live avec quelqu'un. Oh, tu as fait le live avec un Nango. Vraiment, ne fais plus le live avec un Nango. C'est un chien, c'est un machin. Oh, tu as fait le live avec Amé Kamé. Si je ne fais pas le live avec Amé Kamé, est-ce que je fais donc avec vous? Moi, je veux faire les lives. Je veux échanger, je veux discuter. Je veux construire. Mais je ne peux pas construire avec les gens qui parlent la même chose forcément que moi. Et si les gens qui parlent différent que moi me rejettent, je me retrouve avec les gens qui parlent comme moi. Si les gens qui parlent comme moi me rejettent, je me trouve avec les gens qui parlent différent que moi. Mais le plus important, c'est que quand on vous construit, on est capable d'introduire ceux qui parlent différemment, ceux qui voient différemment, ceux qui ont une autre approche. Mais de toute façon, continuer à travailler ensemble. Parce que l'objectif est commun de toute façon. Pour se consoler de nos incapacités d'être ouverts, on accuse quoi? Les Bamileke, les Banganté, le groupe des Banganté, le groupe de la base jaune, le groupe de la base verte, on accuse. C'est facile d'accuser. Calibri, Niamsi, tel, on accuse. Parce que c'est facile. Ça nous permet de ne pas regarder que nous sommes incapables de transcender ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous sommes incapables d'aller au-delà de nous-mêmes. Alors, pour ne pas regarder ça, on accuse. C'est mieux, puis on se tourne. Oh, je suis une bonne personne. Je suis le vrai combattant. Je suis la vraie combattante. Je suis vraiment la personne qui veut le changement. Je suis vraiment la personne la plus transparente. Quand on n'est pas transparent, parce que s'il était transparent, il devait faire comme moi. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire ça. Je dis, il ment. Je ne suis pas moi, je suis la personne. Non, vraiment, on n'a pas acheté mon livre. Je suis la personne que le livre doit être acheté. Comment? C'est Mamadou Mota. Pourquoi on n'achète pas Mamadou Mota? Pourquoi on n'achète pas Mamadou Mota? Ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Le problème ne peut qu'être le tribalisme. Parce que le livre est bon. Le livre aussi est bon. Je ne sais pas pourquoi les gens n'achètent pas ça. Ce livre, c'est un bon livre. Comment les Camerounais n'arrivent pas à acheter un bon livre? Ils ne peuvent. Parce que les Camerounais savent que c'est un bon livre. Ils le savent parce qu'ils ont vu le nom de Mamadou Mota dessus. S'ils n'achètent donc pas, ça ne peut qu'être une raison de tribalisme. Ça ne peut pas être autre chose. Parce que c'est un bon livre. Comment tu sais? Est-ce que tu penses que c'est un bon livre? Tu penses toi-même que c'est un bon livre? Oui, c'est ton livre. Ton livre sera toujours bon. Tu penses que tu es un bon gérant. Oui, tu seras toujours un bon gérant. Tu penses que tu es transparent. Mais oui, tu seras toujours transparent. Je ne connais pas quelqu'un qui dit qu'il n'est pas transparent. Même Biya a disait quand il vivait qu'il était transparent. Qu'il est démocrate. Qu'il est ceci. Dit qu'on est transparent. Mais c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde est fier de soi. En général. Même pas, peut-être pas intérieurement. Mais peut-être pas dans la chambre. Mais... devant les gens, tout qui vient dire que je ne suis pas transparent, je suis un trompeur, je suis un détourneur, je suis un imbécile, qui vient dire ça? Personne. Tout le monde pense qu'il est toujours bon.
Mais ce sont vos pensées. Et pour sortir de ces choses-là, il faut d'abord les reconnaître en nous. Il faut d'abord pouvoir reconnaître en nous que nous souffrons de ça. Si nous avons l'intérêt de construire un pays, une nation, il faut d'abord reconnaître que nous souffrons de nos identités en nous-mêmes. C'est l'image que nous portons de nous-mêmes, sur laquelle nous tenons tant. Nous ne sommes pas prêts à nous perdre nous-mêmes. Nous ne sommes pas prêts à nous perdre nous-mêmes. Nous voulons être carré cartésien. Nous voulons être nous. Partout où on part, partout dans tout ce qu'on fait, on veut imposer nous. On veut s'imposer. Alors qu'il faut imposer la science. La science est le juge. Et il y a la science, les sciences physiques, les sciences matérielles, les calculs, la logique. Ça existe, la science. Mais il y a aussi la science spirituelle. L'amour, la confiance. L'ouverture d'esprit. Ce sont des sciences, ce sont des choses qu'il faut aussi avoir. C'est des qualités qu'il faut avoir. Quand maintenant, le spirituel et le matériel sont en harmonie, vous êtes un homme complet. Et un homme complet, lorsqu'il travaille en groupe, il prend d'abord soin. Il prend d'abord soin de ses propres émotions. Il gère ses propres émotions. Et il va au-delà des émotions des autres. Les émotions des autres n'impactent pas, n'influencent pas ses décisions. Parce que toute personne dont les états d'âme des autres influencent leurs décisions, ça veut dire que ces personnes sont des esclaves. Vous pouvez être un docteur, vous pouvez être un ingénieur, vous pouvez être un grand président. Si les émotions des autres décident comment vous devez réagir, ça veut dire que vous êtes un esclave, vous êtes l'esclave de ces autres. C'est les autres qui vous disent si vous devez continuer la lutte ou pas. Avec Kamto ou pas. C'est ce qu'ils disent. S'ils disent Pédé Coca a mal fait, c'est fini. Pédé Coca est fâché et il décide d'arrêter parce que bon, de toute façon, il n'aime pas ce qu'on l'image là. Il n'aime pas qu'on parle de lui comme ça. Si vous faites ça, ça veut dire que vous avez un sérieux problème. Si on dit le livre de Tokoumbéré est un livre qui n'a pas. C'est un livre tribal. Vous voyez, on me critique. On critique. Si vous faites ça, ça veut dire que vous avez un sérieux problème. Parce qu'un homme libre et un homme responsable, c'est un homme qui peut gérer ses propres émotions et les transcender elles-mêmes. Parce qu'on peut être fâché. Ah bah oui. C'est humain. C'est humain d'être en colère. C'est humain de ne pas être content. C'est humain de ne pas être en accord avec autrui. Mais c'est aussi humain de transcender sa colère, de faire le choix d'embrasser autrui. Surtout lorsqu'on dit qu'on l'aime. Et d'ailleurs, nous sommes obligés d'aimer. Surtout lorsqu'on dit qu'on a confiance en lui. C'est humain d'avoir des faiblesses. C'est humain. C'est humain de dire des choses qui ne vont pas, qui peuvent blesser l'autre. C'est humain d'entendre des choses qui nous blessent et d'être blessé. Mais c'est aussi humain de transcender nos blessures et tout de même d'embrasser quelque chose de plus grand que nous. Merci de m'avoir suivi. Courage à tous les combattants. Courage à tous ceux qui se sont lancés dans cette lutte. Courage au président élu Maurice Kamto. Courage à sa famille politique. Courage à tous les peuples, à tous les Camerounais qui ont confiance qu'ils sont sur la bonne voie. Courage à tous ceux qui me suivent. À ceux qui donnent leur petite intention, leur temps à me suivre. Parce que ce que je dis peut-être n'est pas plaisant pour tout le monde. Mais vous continuez. Parfois, je peux dire des choses qui vous blessent vous-même. Mais vous continuez.
Je vous souhaite courage, je vous dis aussi merci, parce que c'est pas facile de suivre quelqu'un comme moi. C'est pas facile. C'est pas toujours donné. Parce que je provoque. Je pousse les pions un peu plus loin. Et je le fais parce que je veux attiser en nous, au peu de personnes qui me suivent, je veux attiser quelque chose de plus vaste que ce qu'ils connaissent maintenant. Je veux leur pointer la lune qui a quelque chose de meilleur en eux, en vous, en chacun de vous. Il y a quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez pas encore touché. Un trésor, un potentiel incommensurable. Votre magie, votre capacité de vous engager pour les choses plus grandes que vous-même. Merci pour ceux qui me souhaitent aussi du courage, parce que j'en ai besoin. Merci. Bon dimanche. Ciao. Merci à Smono Bissik, Ritan Jami, Jean-Marie, Knupu Avore, Astrid, Berlise, Omar Diallo, le grand Denzel, colonel, Mafolor, Joseph Camara, merci, merci mon ami. Merci à Nadine, Christian Modeo, merci, merci. À tout le monde, ce que je n'ai pas pu citer parce qu'il y a les commentaires, ça scroll, il y a beaucoup de commentaires au-dessus. Et on se prend dès que possible encore. Ciao.